Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite session aujourd'hui, on est le soir, il est 18h. Temps vraiment très 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 bizarre. Il fait nuageux mais qu'est-ce qu'il fait chaud là d'ailleurs. Je vais enlever la polaire parce que j'ai vraiment très très chaud. Il doit faire 22 ou 23 degrés, il fait lourd en fait. Ça m'étonnerait même pas que ça tourne un peu à l'orage, donc je vais faire attention pour éviter de prendre le tonnerre, prendre la foudre avec ma canne. Mais en tout cas, ça promet une bonne session. Les bars aiment vraiment ce temps-là, un peu nuageux, couvert et quand il fait chaud. Donc j'espère faire une bonne session. On va viser du poisson, j'espère faire du maillet, et pourquoi pas plus gros encore, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, bonne vidéo les gars. Fiche, sur la bordure, c'est pas gros. Et ces poissons, ça a pris sur un linéaire. Ah, c'est vraiment minus, mais c'est un signe de vie, c'est un poisson. Ça fait plaisir. Un petit bar. Hop, voilà, vraiment minus. Avec mon petit leurre homemade. Allez hop. Vraiment une quéquette, comme on dit dans le jargon. Bon, on est déjà en fiche, je suis pas capot, c'est le principal. Maintenant, si je peux aller chercher leur grand frère, ça peut être encore mieux. Déjà, j'ai une information sur la localisation des poissons. Déjà, il y a du poisson. Ils mordent sur une couleur bleue. Ça, c'est cool. Ça donne. C'est un petit poisson, mais ça donne déjà beaucoup d'informations. Donc, ça, c'est cool. On va faire un petit linéaire. On va voir là où je l'ai pris. Ah, il m'a mis une belle boîte lui. Ah, ça fait plaisir. La Tenrio, elle est clairement faite pour cette pêche. Hein. Incroyable. Ah, il a pas l'air vilain en plus. Enfin, il est plus joli que le précédent. Non, c'est juste qu'il est. Il est plus vénère aussi. Hein. Ah, il m'a mis une belle touche lui. Ça fait vraiment plaisir. Belle touche. Il était posé sur le plateau de moule. Je sais qu'il y a un plateau de moule ici. Regardez ça les gars, il est tout noir, magnifique. Bon, il est petit hein, mais il est vraiment splendide. Il est vraiment minus et tout noir. C'est-à-dire qu'il était posé sur le plateau de moule, mais il est venu. Il a mis une touche d'enfer, mais vraiment une touche d'enfer. Je vais prendre une petite photo. Ah, déjà deux poissons en l'espace de peut-être 20 minutes de pêche, ça fait vraiment trop plaisir. En plus, c'est une pêche archi rapide, dynamique, linéaire, sans bordure. Et poisson. Yes. Encore un fish. C'est encore petit mais ça fait vraiment trop plaisir quoi. C'est incroyable les sensations. C'est vraiment trop bien. Sur du linéaire bordure là. Ah yes. Tac. En attendant, je les mets dans ma petite épuisette flottante qui est juste là. Comme ça, ils sont encore dans l'eau. Là, il y a suffisamment d'espace pour qu'ils soient au moins deux ou trois. Et en plus, ça me permet d'aller chercher leurs copains.
Parfois, il y a plus gros. Si on renvoie un bar dans le banc, ils font fuir tout le banc quoi, avec leurs phéromones. Du coup, j'essaye de taper leurs autres potes. Et puis après, je vais bien sûr les relâcher dans une minute, deux minutes, si je vois que je fais plus rien. Vraiment histoire d'essayer de toucher un joli poisson qui n'aurait pas mordu, du coup, avec les petits. Tac, voilà, là par exemple, j'ai assez pêché, j'ai pas eu de touche. Je vais bien les remettre à l'eau. Voilà, le premier. Et le deuxième. Si tu veux bien te laisser attraper. Voilà, le deuxième. Hop. Ils repartent tranquillement dans leur élément. Ça fait plaisir. Je les garde pas trop longtemps pour éviter de les stresser plus que ça. Et on va continuer la session, on est déjà à 3 barres pour, on va dire, allez, 20 minutes, 25 minutes de pêche. Ça fait vraiment trop plaisir, quoi. L'eau est vraiment, vraiment, vraiment teintée. Je vais changer de leurre. Je vais mettre un autre coloris pour essayer de faire la différence. Tac. Dans une eau comme ça, je vais mettre du wakazagi. Je pense que ça peut bien se prêter à la couleur de l'eau parce que là, elle est vraiment bien, bien, bien teintée hein, quand même. Bon, pas de résultat au waka. Je vais tenter un autre coloris un peu plus naturel, kaki. On va essayer. Poisson, à la première descente au Black Hill, ça a pas l'air vilain. Le changement de couleur a payé, peut-être le changement de vibration aussi. C'est déjà un peu plus lourd que les poissons précédents. Je pense pas que ça soit un monstre non plus. Ah yes. Vraiment à la première descente. Oh, c'est déjà. C'est pas un joli poisson, mais c'est plus correct. Ça fait plaisir. Yes. Voilà, bon, c'est pour l'instant le plus joli de cette session. Pris au Black Hill, toi tu vas aller séjourner dans l'épuisette. Peut-être que le changement de couleur a payé, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un poisson, ça fait grandement plaisir. Bon, le petit pépère il va retourner à l'eau. Pépère, il va retourner grandir. Voilà. Voilà, sublime.
Super. Super, ça fait trop plaisir. On va essayer de continuer à prendre le poisson, les gars. Changé d'animation et j'ai repris le leurre de tout à l'heure qui a bien marché et ça a déjà plus fonctionné. D'ailleurs, bien à pleine balle en surface vers moi. Ouais, elle tire plus. C'est le plus joli de cette session, pardon. Je vais prendre un épuisé pour l'assurer. Yes, c'est bon ça, les mecs. Je vais vous montrer ça, c'est un joli poisson. J'ai radicalement changé l'animation. Et ça a payé. Une animation plus douce, plus en traction. Et voilà les mecs. Ah, c'est un joli poisson ça, ça fait plaisir. C'est un joli fish. Je pense qu'il doit être maillé. Là ça fait 23, je sais. Donc 1. Ouais, fait peut-être la maille. Tout juste en tout cas. Mais c'est des poissons comme ça que je venais chercher justement. Donc ça fait vraiment plaisir. On va leur mettre à l'eau tout de suite. On va le remettre à l'eau tout de suite, voilà. Ça c'est un poisson. En plus il est magnifique, franchement, il est bien conservé. Il a des belles nageoires. Ça c'est une belle image ça. Ça c'est vraiment une belle image. Allez, repart, mon grand. Yes, ça fait trop plaisir les gars. Comme je l'ai dit, je venais chercher des poissons à peu près de ce calibre-là et un peu plus si possible, mais à partir de ce calibre-là, c'est mission accomplie. En plus, c'était sur vraiment un changement d'animation, donc une stratégie payante pour l'instant. On va voir si je peux déclencher d'autres poissons avec cette animation. On va continuer la session, les amis, puisqu'il me reste encore un peu de temps. Donc c'est parti, allez, on continue. Bon bah voilà les gars, la vidéo elle est terminée. Je termine ma session sur un poisson correct. Voilà, je venais justement pour tomber sur des poissons comme ça, des poissons presque maillés, voire maillés. Ça fait plaisir, franchement. Donc les leurres qui ont marché, je vous les montrer. C'était en premier lieu linéaire sur bordure. C'était mon petit leurre au mail avec un coloris un peu bleu comme ça là. Bleu avec un ventre translucide là. Et dans un second temps là sur les zones plus profondes avec des animations plus amples. C'était le petit Black Hill en 8 grammes, voilà, en kaki. Voilà, c'est les deux leurres qui ont marché. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en dessous, à liker la vidéo si vous avez aimé, et à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas, franchement, mettez des commentaires, j'aime bien y répondre. Et comme ça, ça permet d'avoir des débats et d'avoir des avis sur plusieurs domaines de la pêche. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Allez, à plus les amis.